chance for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, the sea runs dry and start to sing? Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Ever feel like going back when nothing seemed to be a drag? You're right until your legs gave way. Où à l'hôtel? Je sais même pas ni dans quelle ville. Trenton, Ontario. Ontario. On est où, Zuzu? On est à l'hôtel. À Trenton, Ontario. Oui. Puis on s'en va où en fin de semaine? Ah, au Chilea! Gégé, mes amis! Demain, on s'en va à Niagara Falls! Oui. Est-ce qu'on va voir les chutes? Oui! Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là-bas? Des mamans! Des mamans! Des mamans? Je sais pas. Excel! Excel, tiens, d'accord! Fait qu'on est arrêté en chemin. À quoi? Trenton, Ontario. Au début, notre plan, c'était de partir demain, dans le fond. Là. Ben, demain matin. Là. Puis les gars, ils ont décidé de partir aujourd'hui parce qu'on s'est dit justement qu'on perdrait moins de temps. Puis que demain, on aurait toute la journée. Je savais que Alex, ben là, Alex, son chum, toute sa famille, là, Alex, mon associé de Willow New. J'ai écrit cette semaine parce que nous, c'était prévu qu'on vienne, là, ça fait un petit bout. Mais j'ai écrit. C'est quand j'ai écrit? Ben, mercredi. Mercredi pour savoir s'il y avait quelque chose en fin de semaine. Puis là, je suis venez donc avec nous. Puis elle était comme full partante. Fait que. Doudou. Tu sais, les enfants, ils ont les mêmes âges. Fait que c'est vraiment cool. Tout le monde trouve son compte dans l'autre famille. Fait que là, il est quelle heure? L'heure de se coucher. Parce que je suis brûlée. Pas habituée de me faire 6h, moi, la nouvelle routine, hein? Ça rentre dedans. Il est 11h, fait que nous, on va fermer les lumières, faire dodo, puis demain, il va nous rester 2h, dans le fond, avant d'arriver à. Qu'est-ce que tu fais? 3h à Niagara. Ah, bon, il va nous rester 3h. Pas grave, demain, ça va bien aller. Il annonce beau toute la fin de semaine, en plus, on est chanceux. Fait que nous, on fait des dodo. Dodo, puis on se voit demain. Oui. Axel, dis bye-bye. Bye. Bon matin! Prends la commande à déjeuner? Je choisis, c'est toi. On attend de déjeuner à Zouzou. Qu'est-ce que tu veux déjeuner, toi? Moi, j'ai déjeuné des carottes. Des carottes, bon. Zouzou veut déjeuner des carottes. Donc, on est. Non, oui. Samedi matin. Je sais même pas quelle heure. Il est 7h47. Tout le monde est habillé, tout le monde est prêt. Là, on s'en va en direction de Toronto. Le plan de match, c'est d'arrêter. Mais d'aller déjeuner, tout le monde. Puis après ça, les gars voulaient aller aujourd'hui au Temple de la Renommée. Puis nous, ben, on va aller dépenser de l'argent dans les magasins. Si on est capable de magasiner les filles ensemble, puis les gars au Temple de la Renommée. Fait que là, on va aller voir si la gang à côté sont réveillés. Puis après ça, on va reprendre la route. Thank you.
grotte de Niagara Falls. Je vais vous montrer hein, les petits rounds. Wouhou! La salle. Waouh! La salle de bain. Regarde la douche, j'allais pour accrocher. Pour accrocher nos maillots. Comme ça. Wouhou! Mon Dieu Seigneur, j'ai l'air enceinte de même. La façon que ma robe est placée. Qu'est-ce que c'est là? Nos lits. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, même pas la. Tu veux de l'eau? Tiens. Tiens. Maman, il ne faut pas une gorgée d'eau. Non. À ok, t'es... doucement, pas que ça tombe partout. Moi, je vais brosser. C'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Bon, Félicien, nos bagages, lit, ça c'est aussi, c'est tellement beau comme hôtel. Puis la vue que je vous ai montrée sur le gram, c'est hyper beau. Puis là, Max dit que c'était les États-Unis. Fait que si on est game de traversée, on sera aux États-Unis. Mais non, on peut pas. Fait que c'est vraiment beau, hein? C'est vraiment malade. C'est genre la première fois que je viens voir les chutes, moi. Attention, mon amour. J'ai ma gomme. À goûterie. Alors, il est déjà rendu 6h30. Aujourd'hui, dans le fond, les gars sont allés au Temple de la Renommée pendant que nous, les filles, on est allés magasiner. Fait que je vous montrerai mes achats prochainement. Mais pour l'instant, je vais vous montrer parce que j'ai devant ma face. Là, les mini Converse que j'ai achetés avec ça sont tellement parfaits. Voilà. Merci, mon chaton. Gardez-moi ça. C'est genre des Converse, mais des animaux sont tellement beaux. Ouais. Puis, parce qu'il y en avait, j'en avais acheté toujours au Tic Géant. Quand j'étais vraiment mal pris parce qu'on avait perdu un petit soulier, je sais pas si vous en souvenez, en vacances. Fait que j'en avais acheté des vraiment vite. Puis son pied rentrait pas dedans. Fait que j'avais pris une grandeur de plus, mais là, il arrête pas de sortir. Puis là, pour vrai, je peux pas le faire marcher. Il perd tout le temps un soulier, même en allant à la garderie. Fait que je suis comme, c'est vraiment pas pratique. Puis celui-là, c'est parfait parce que je peux comme les serrer. C'est sûr qu'il est capable de les enlever par lui-même. Mettons, il est dans poussette trop longtemps ou peu importe, il les enlève. Mais tu sais, mettons, il marche, il ne sort pas du pied. Fait que c'est parfait. Puis moi, je me suis acheté full de linge chez On Navy pour du linge de bureau. Là, tu sais, vu que maintenant, je vais travailler dans un bureau une fois semaine. Je vous montrerai tout ça. Là, ben des pantalons, des paires de jeans, un veston noir, une robe. Un genre de chandail robe en laine. En tout cas, tous des trucs d'automne, des couleurs d'automne. Je suis bien contente, ça fait du bien. Sinon, Zouzou a staché genre une jaquette. Là. J'ai proposé aux filles s'ils voulaient des pyjamas. Parce que, sérieux, ils ont tellement pas de pyjamas, c'est fou. Ils ont genre 3 pyjamas chaque, je pense. Qui sont bien dedans, là. Puis, Eléa m'a pété une sale coche parce qu'elle voulait genre le seul affaire que je voulais pas y acheter. Fait que je vais. Non, toi, tant pis. Fait que j'ai acheté une genre de jaquette, là, à Zoé, là, avec des papillons. En tout cas, elle est quand même cute. Puis, à part ça, c'est ça. Max, il dit que ça a full bien été au temps de la renommée. Il a acheté le petit jersey. Non, il a acheté un chandail de hockey trop cute au temps de la renommée. Puis après ça, il est allé acheter un jersey de Toronto parce que nous, on est allé magasiner au. C'est à Toronto, là, la grosse affaire là, pour magasiner. Je sais pas c'est quoi le nom, genre de centre d'achat. Là. Qu'est-ce que vous faites, les amants? Puis là, on check qu'est-ce qu'on fait pour souper. D'après moi, on va probablement se commander à la chambre. Sauf que nous, on va aller dans la chambre à Alex ou eux vont venir dans notre chambre pour. On va checker comment on endort les enfants, si on joue à des jeux. En tout cas, je vous dirai ça demain, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Mais en attendant, je sais pas si je vais mettre les enfants en pied tout de suite. En tout cas, je vais checker ça. Alors, voilà les petites nouvelles.
matin. Ouh. Et on est rendu déjà dimanche, le lendemain d'hier. il est à peu près, mon Dieu, je ne sais même pas quelle heure. Moi, je suis tellement pas bonne en vacances ou la fin de semaine, pour savoir l'heure. Axel dort encore, on va le réveiller bientôt parce que là, tout le monde est prêt pratiquement. Ce matin, il fait quand même frais, mais il annonce super, super chaud ce week-end. Ben, ce week-end, aujourd'hui puis demain. Puis, mais on a quasiment tout amené du linge d'été vu qu'il annonçait hyper chaud avec des cotons wattés. Fait que ce matin, on s'est dit qu'on irait déjà au resto. On va aller au outlet un peu le temps que ça se réchauffe. Encore magasiné. J'ai acheté des. Je vais vous montrer là, un des kits que j'ai acheté. Okay. J'ai acheté un basic blanc, là. La luminosité, attendez. Ah, c'est beaucoup mieux. Il est tellement confortable. J'ose comme pas trop me toucher parce que je viens de me maquiller. Je veux pas qu'il y ait comme du fond de teint, là. Puis je me suis pris des jeans de même, ok, mais tellement grand. Checkez ça, genre, je sais pas. J'ai tellement essayé mon linge vite hier, là. Qui sont hyper grands, là. Genre, pour vrai, là. Ils sont comme. En tout cas, bref. C'est pas grave, ils sont vraiment confortables. Fait que ça va être ça. Fait que je vais aller voir. J'ai pas mal tout acheté, comme je vous disais hier, ma garde-robe d'automne. Mais c'est ça, on va quand même aller au outlet voir. Oh, j'ai encore le. Oh mon Dieu. J'ai encore l'étiquette. Voir qu'est-ce qui manque. Peut-être, il manquerait peut-être des bottes. Bottes, bottines chic là, pour quand justement tu vas au resto, peu importe. J'ai commandé mes bottes de pluie, d'automne, d'hiver, mais plus style casual. Mais j'aimerais ça en avoir une paire plus chic. C'est ça. Puis après ça, on va aller où il y a un genre de boardwalk là, avec tout un mini pot qui est comme illuminé ben, le soir. Là. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai aucune idée. Genre des arcades, des manèges, ces affaires-là. Fait que je vais tout vous montrer tantôt de quoi ça a l'air. Fait que là, les enfants s'habillent, mais Axel dort encore. Fait que je vais le réveiller, je vais l'habiller, puis on va aller déjeuner! Soft as ice cream, yeah, you melt under my touch, and with your kiss strong as lightning, you got me falling right back in love. You got the glow of the sunset, you got the rush of the ocean wave. Probably not gonna last forever. In the blink of an eye, May turns into September. When we look back at all the things that we could remember, I want to remember you, and then I'll feel it again. The glow of the sunset, ooh, you got the rush of the ocean waves.
Bon matin! Comme à tous mes autres vlog trip, j'avais envie vraiment de prendre le temps de vous reparler du week-end, de vous montrer mon haul d'automne. Fait que je vais faire ça. Je vous ai pas mal amené avec nous, là, dans le sens que je vous ai montré les activités qu'on a faites. Ce que je vous propose full, définitivement l'hôtel Marriott, genre à Niagara, de vue sur les chutes. C'est genre ce qu'on a le plus aimé. Tu sais, veux pas, quand t'as des enfants, tu passes quand même pas mal de temps en chambre à cause de la sieste. T'sais, nous, on voulait vraiment qu'ils fassent une sieste. Fait que, t'sais, on a vraiment profité de la vue le soir. On s'est fait livrer une pizza le samedi dans notre chambre avec les enfants. T'sais, c'était comme assez gros pour que les 5 enfants aient cours puis qu'on soit les 4 adultes. Sinon, la genre de rue principale, là, que c'est genre impressionnant, là. Pour vrai, je serais restée au moins une journée de plus si c'est pas deux à Toronto. Ben, Niagara. Moi, dans ma tête, je pensais que, genre, on était à Toronto, là, pis que les chutes, c'était Niagara. Je me cacherais pas, là, moi pis la Géo, là, ça fait 15. Fait que, ben non, on était à Niagara. Fait que c'est sûr que, c'est ça, la rue principale, on a comme eu le temps de presque rien faire. On est allé, dans le fond, on est allé, on voulait vraiment aller au Rainforest Café. Puis on s'est dit, il y avait l'air d'avoir du monde. C'était comme, au début, on dit, ah, bon, on va aller à une autre place. C'est sûr qu'il va y avoir, il y a full le monde au Rainforest. Finalement, il y avait du monde partout. Fait qu'on a fait fuck off. On va aller au Rainforest. Puis c'est le fun parce que, comme à Walt Disney, tu sais, ils donnent une plaquette. Ben, pas juste à Walt Disney, là, mais ils donnent une plaquette qui sonne quand c'est prêt. Fait que, on a, tu sais, dans le fond, ils disaient, ah, ça va être prêt dans 1 heure et demie. Puis le Rainforest, c'est comme dans un genre de centre d'achat, si on veut. Fait que tu peux faire ce que tu veux en attendant. C'est où qu'il y a les arcades, c'est où qu'il y a le mini-pot. Fait que on est allé faire ça, on a pris notre petite bibip, puis on a eu le temps d'aller faire une game de mini-pot. Puis tout de suite, quand on a fini la game, ça a comme sonné, ça a vibré. C'était genre 40 minutes plus tard. Fait que c'était même pas 1 heure et demie, c'était moins long. C'était tellement impressionnant à Rainforest. Moi, j'étais allée quand on avait été à Walt Disney. Puis, tu sais, c'est comme ceux qui sont allés à Walt Disney, là, c'est, ou dans un autre Rainforest, là, c'est comme,
full de feuillage. C'est comme si on était dans une jungle, puis il y a comme des tonnerres des fois. Il y a de la du bruit, ouais, de pluie. Il y a plein de gros animaux qui bougent. Là, à cause du COVID, on pouvait comme pas se promener dans le restaurant, mais on était full bien situé où que vraiment, c'est côté d'un mur qui avait comme des gros, gros, gros faux perroquets. À côté, il y avait comme une grosse aquarium. Puis juste en haut de nous, il y avait comme un arbre qui descendait avec un gros faux serpent. Puis un peu plus loin, des gorilles. C'était vraiment le fun. Les enfants, ça l'a super bien été au resto. En général, les enfants, ça l'a vraiment, vraiment bien été. Je vous dirais, là, des petites crisettes ici et là, mais vraiment rien d'alarmant. Le fait d'être avec une autre famille, parce que, comme je vous avais vu, on était avec mon associé puis sa famille, c'était vraiment cool. Tu sais, on dirait que ça... Il se tapait pas ses nerfs parce qu'il était avec d'autres enfants. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'énergie tous ensemble. Mais c'était, oh, ça a vraiment, vraiment été une belle fin de semaine. Là. Fait que en résumé, on est vraiment parti le vendredi au lieu du samedi. On est parti dès qu'Iléa est arrivée de l'école. On est allé chercher les enfants à la garderie vers 3h, 3h15. On est décollé. On a arrêté souper dans un genre de Kelsey's ou je sais pas trop. Là, un enfant de moi. Non! Finalement, il n'y avait pas de place. On était dans une affaire de pizza, pizza pâte. Après ça, on est monté, on a dormi. Je vous ai dit, là, où je vous ai montré. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom, là, dans un Holiday Inn. Après ça, on est reparti pour la journée. Ben, il nous restait pas tant gros à faire. Fait qu'on est arrivé. On a-tu arrêté manger? En tout cas, je me souviens plus. On dirait que c'est comme c'était une grosse fin de semaine. Puis. C'est ça. Fait que le chemin, c'est super bien fait des deux côtés, des deux familles. Vraiment, là, les enfants ont fait ça comme des champions. Ils sont vraiment rendus habitués. Nous autres, là, c'est fou, là, ça paraît. Puis, c'est ça. Fait que moi, je serais restée une journée de plus pour, genre, profiter de tout. Exemple, il y avait un autre mini-pot, il y avait la grande roue que j'aurais aimé faire. Tu sais, les chutes, on est allé les voir, mais j'aurais aimé ça aller comme dans le tunnel. Maintenant, il y a genre un tunnel souterrain que tu vas derrière les chutes. Fait que pour vrai, si vous allez à Toronto, là, prévoyez-vous au moins un 3 jours là-bas. Fait que prévoyez-vous le 3 jours plus le voyagement. En tout cas, moi, je trouve, là. Puis c'est aussi une place que Max et moi, on se dit, ah, faudrait venir sans enfant une fois. Tu sais, moi, j'aime tellement ça, les places, tu sais, le... Ben, je suis jamais été à Las Vegas, là, mais Alex, elle me disait que c'était ça, là. C'était genre pareil, là. C'est toutes les affaires d'arcade. Tu sais, des fois, c'est le fun, juste penser à toi. Mais c'était hyper le fun en famille. Je vous le dis, c'est vraiment une place à faire familiale aussi. Fait que je vais vous montrer mes petits achats. On est allé on est allé une journée au Center Truc, là. C'est là que je suis allée au Gap. Je vais vous montrer ça. Je me suis surtout acheté du linge pour aller travailler au bureau. Fait que je me suis pris un petit veston noir. Fouillez-moi pourquoi. J'avais tout donné mes vestons. Je trouvais que c'était plus à mode. Mais là, finalement, je trouve que c'était vraiment un essentiel. Fait que j'en ai racheté un. J'ai acheté aussi une paire de pantalons carottés. Là, ils sont comme à l'envers. Je les ai mis hier, puis je vais vous les montrer. Ils sont vraiment confortables. C'est genre, check ça. Puis là, je peux pas vous mettre tous les liens. Là, moi, j'ai magasiné, puis j'étais comme, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Mais écoutez, je sais pas si je peux vous aider quelque part. Là, si tu marquais... High Rise Signature Skinny Ankle. OK, ça. Sinon, l'autre, c'est un veston noir. J'ai pris deux chandails full simple, OK, mais tellement confortable. T-shirt à fini vintage. J'ai pris un gris puis un genre de crème, mais c'est pas la même tissu. Lui, je l'ai pris dans les basics. Puis l'autre, je l'ai pris comme dans le sport, là. Puis, aïe, j'aurais dû prendre toutes les couleurs. Je regrette. Je vais peut-être essayer de le trouver en ligne, puis vous mettre le lien, là, c'est genre, je sais pas comment expliquer ça, c'est tellement doux, ça doit être genre en bambou. Ça me manque des affaires. Ah oui, toutes mes jeans. Je pense que j'ai mis toutes mes jeans en haut. J'ai pris une robe coton ouaté, mais genre, j'ai pris large, là, pour qu'elle soit vraiment, là, style oversize. C'est comme orange brûlé, là, enfin, je me suis dit, avec des collants comme, tu sais, From Rachel, là, puis un petit chapeau ou un bandeau, là, ça va être écœurant. On s'est beaucoup acheté de bandeaux passe au clair. Et moi, dans ma tête, le clair, c'était vraiment pas cher. Je dis à Max, il faut vraiment aller acheter. Faut vraiment. Je vais aller acheter des accessoires, des bandeaux, des barrettes. Tu sais, comme Chardin, tu pognes n'importe quoi, finalement, ça te coûte 20$. Ça nous a coûté 186$. J'avais pas tant d'affaires que ça, là. J'avais genre deux passes, deux bandeaux, tu sais, que t'attaches de même, là. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que je vais vous montrer mes paires de jeans. Puis là, l'affaire, là, mes jeans, c'est que je les ai essayés. C'est une journée que j'avais des cuissards. Tu sais, j'avais mis. C'est quoi je portais? Quelque chose avec des cuissards. Fait que j'ai comme. Tu sais, j'avais pas de bobettes. Je mets jamais de bobettes en dessous mes cuissards. Puis, fait que j'ai gardé mes cuissards pour essayer mes jeans. Fait qu'on dirait que ça l'a mis une épaisseur de plus. Fait que quand j'ai réessayé mes jeans chez nous,
genre, il était vraiment grand. Mais c'est pas grave, c'est eux que je vous ai montré sur Pinterest, là. Le bas, il est comme de même. Là, ils sont fripés un peu, là. Puis, je vais vous donner le modèle, là. Ça a l'air de rien de même. Ils sont quand même très grands, là, mais... C'est quoi? Comment qu'on peut voir le modèle? Ici, peut-être? Ah, boyfriend. En tout cas, les boyfriends. Mais ils sont vraiment... C'est ça. Ils sont quand même grands, tu sais, là, vu que j'ai recommencé le crossfit... J'espère, j'ose espérer que je vais reperdre du poids, fait que c'est sûr qu'ils ne me feront pas longtemps, mais ils sont vraiment confortables et eux aussi sont débiles. J'essaie de vous trouver les noms, là. Tu sais, vous voyez, ça, c'est genre des 8. Moi, dans la vie, là, en ce moment, je porte genre des 8, puis eux autres, c'est genre des 30 ou des 31. Ils sont vraiment grands. Même eux, je les ai pas réessayés, fait que d'après moi, ils vont être là aussi, là. Attends, j'essaie de trouver le nom, là. Je sais pas trop là, mais c'est comme si vous checkez sur le site, c'est il y a une boucle en jeans devant, ils font vraiment bien aussi. Puis dans le fond là, c'était 40% sur 40% sur le dernier prix. Fait que mettons mes jeans étaient en spécial 69,99, ben tu rajoutais genre 40%, ça valait la peine. Puis c'est quoi ça? J'ai deux paires. Ah, oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Mais ça aussi, c'est pratique. Une chemise en jeans. Puis ça aussi, j'ai pris large. Dans la vie, je porte genre médium. Même des fois, small. Là, mais là, je suis comme vraiment dans une passe que je veux être très, très confortable. Fait que là, c'est comme une truc dans la main. Fait que, tu sais, avec une robe, mettons, rose maternité ou n'importe quelle robe ou un genre de... Une genre de... camisole robe, là, avec des beaux collants, pis ça, là, c'est tellement beau. Alors, voilà mon petit magasinage d'automne. J'ai vraiment beaucoup de stock, comme des autres années. Fait que j'avais pas besoin de tant d'affaires, mais tu sais, vu que maintenant, je fais une journée de bureau à l'extérieur, j'avais envie d'avoir du nouveau linge, fait que ça va faire la job pour l'instant. Fait que... Ah oui, on a acheté les manteaux, mais ça, je vais vous l'avoir montré dans mon jeu du colis. Fait que, je vais vous dire un gros merci de nous avoir suivis encore dans ce beau vlog trip à Niagara Falls. Encore une fois, je vous lis tout le temps. J'essaie de répondre à tout le monde. Ils sont cachés. C'est pas encore l'hiver. Puis, n'hésitez pas encore si vous avez des idées qui vous pop pour l'instant au Canada, évidemment, que vous voulez qu'on ait passé des week-ends, vous nous direz. Moi, il y a une de vous qui m'a dit la Nouvelle-Écosse, et ça me tente vraiment. Mais c'est une coupe d'heure, fait que, tu sais, il faudrait repogner une longue fin de semaine pour y aller. Mais si vous avez des suggestions, plusieurs m'avaient dit Charlevoix. C'est vrai que c'est une place qu'on n'a pas faite encore, fait qu'on va mettre ça. Sinon, il y en a deux qui m'ont suggéré la Zoobox. Vous irez voir ça. Ça aussi, c'est sûr qu'on va faire cette expérience-là, probablement cet hiver. Fait que n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, à liker la vidéo aussi. Plus, on dirait, c'est con, mais plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de vues, plus ça me tente d'en faire de plus en plus des vlogs. Fait que n'hésitez pas, puis je vous dis un gros merci!